إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا, وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ألغ نغيف à la partie, euh, ou plutôt la sous-partie, sur euh, le visage radieux que doit offrir le musulman envers ses frères musulmans, et surtout le bon conseil dans notre religion. L'importance du bon conseil, l'importance de quémander surtout le bon conseil. Le mashwara c'est consulter ses frères en islam. Donc, Ibn Abdelbar nous disait euh, « donc le Sheikh Ibn Abdelbar nous disait que le fait de rencontrer les gens avec un visage euh, radieux, un visage souriant, c'est une sadaka, c'est une aumône. Et de la même façon, le fait d'être généreux, d'avoir un esprit généreux, d'être une personne généreuse, que ce soit généreuse financièrement ou bien généreuse de cœur, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et pourtant, ils sont d'une générosité extrême. Ils ne ménagent pas leurs efforts pour aider les gens, pour rendre service à leurs prochains, etc. etc. Mais Sheikh ibn Abdelbar nous dit Malam Yakoun Malakhan tant que cela ne vire pas à l'hypocrisie. Et on va expliquer pourquoi euh, l'imam ibn Abdelbar nous parle de ça. Il nous dit fa al-Malakhan Alors Al-Malaq en réalité c'est la, la surabondance de dépenses. Et l'imam ibn Abdelbar nous dit... Et cette surabondance de dépenses, c'est du nifar. Et on va revenir, inshallah. Donc le nifar, encore un terme que vous devez connaître absolument car il revient très souvent, c'est l'hypocrisie. Et nul ne périra s'il a consulté un bon conseiller musulman. Donc on va juste s'arrêter sur cette partie-là, c'est même pas la peine d'aller plus loin étant donné que il y a tellement de choses à dire à ce sujet donc l'imam ibn abdil bar nous avait dit wa liqa' an-nas bi wajhin hasanin le fait de rencontrer les gens avec un visage souriant c'est déjà une aumône qu'est-ce qu'on peut ajouter dessus le cherchehoukat nous dit muradul musannif bil malak ay an tu'tiya al insana wa tuzhir lahu shay'an minal wuddi wal lutfi wa laysa fi qalbika minhu shay'un fa huwa shabihun bin nifaq Tom 43, page 305. Donc le cher Shawkat nous dit ce qui est voulu par les propos de l'imam ibn Abdelbar lorsqu'il a dit que rencontrer son frère avec un visage souriant, être généreux envers lui, que ce soit une générosité du cœur ou, ou, ou financière, l'imam ibn Abdelbar nous a dit que c'est une aumône, tant que tu n'en fais pas un peu trop, comme on le dit un peu de nos jours, c'est too much, c'est beaucoup trop. Parce que l'imam ibn Abdelbar a dit Car ce malak, cette surabondance, c'est du nifak Donc comment est-ce qu'on doit comprendre que le fait d'en faire trop dans la gentillesse peut être perçu comme de l'hypocrisie Le cher Shawkat nous dit, ce qui est voulu par les propos euh, de l'imam ibn Abdelbar, lorsqu'il nous parle de malak et d'hypocrisie, c'est que tu donnes à une personne et que tu lui montres de l'affection. De la gentillesse, de la tendresse, alors qu'en réalité, il n'y a pas tout ça dans ton cœur. Donc c'est-à-dire que tu vas en rajouter une couche, et cette couche que tu rajoutes, c'est de l'hypocrisie. C'est quelqu'un que tu n'apprécies pas spécialement. On ne te demande pas de te comporter avec celui que tu n'apprécies pas spécialement, comme tu vas te comporter avec ton meilleur ami. Et tu le prends dans tes bras, et tu lui fais des compliments et des éloges, et, et tu ris de bon cœur avec lui. On ne te demande pas de, de pousser l'hypocrisie jusque-là. Tu le respectes, tu restes euh, diligent, tu restes euh, poli, tu restes gentil, tu restes doux, mais on ne te demande pas d'en faire trop. Donc c'est ça qui est voulu par les propos de l'imam Ibn Abdelba, c'est que tu vas montrer à cette personne... Quelque chose qui en réalité n'est pas dans ton cœur. Il va avoir l'impression que c'est ton meilleur ami ou je ne sais quoi, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est pour ça que l'imam Ibn Abdelbar nous a dit, ceci est semblable à l'hypocrisie. دونك شيخ شوكات مودي دو لمساجد الله دو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أ أنسيتي لو مسلمو أ أفوار أن فيزاج غيسبلنديسون، راديو سوريون، أذك فعن أبي ذر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلق أخاك بوجه طليق، والحديث وأخرجه الإمام مسلم. Donc Abu Dhar nous rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam qui l'a dit, ne méprise aucune bonté, aucun marouf, aucun bien, euh, ne méprise donc aucun bien, ne serait-ce que rencontrer ton frère avec un visage souriant, un visage radieux. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam nous prouve par ses propos que rencontrer son frère avec un visage souriant, c'est déjà... Un bien c'est un marouf et on sera récompensé pour tout marouf qu'on a fait pour tout bien pour toute bienfaisance qu'on a fait on en sera récompensé inshallah fahad marouf cher commande ce hadith en nous disant car ceci fait partie du marouf de la bienfaisance et parce que et car le fait de rencontrer son frère avec un, un visage souriant, ça va faire rentrer dans son cœur la joie, la bonne humeur, et il va en découler euh, un azim une immense récompense, et n'est-il pas vrai, ça je l'avais déjà dit dans un cours dans Minhaj al-Muslim, que tu vas croiser un frère dans la rue, un frère que tu n'as jamais vu de toute ta vie tu ne le connais ni d'Adam ni d'Eve, comme on dit. Et il te voit, il te passe un grand salam avec un visage resplendissant. Forcément, si toi-même tu as un cœur sain, si toi-même tu as un minimum de foi, tu, tu vas être heureux. Tu vas lui re retourner le salam toi-même avec, avec un visage resplendissant, alors que pourtant vous ne vous connaissez absolument pas. Mais dans ta tête, tu es content. Il a fait rentrer le bonheur pour un simple salam. Un simple sourire, ça change tout. Et il y a un autre frère que tu croises tous les jours à la mosquée. Il prie à côté de toi, du matin au fâche jusqu'au riche. Et pourtant, tu le croises dans la rue, sur le marché. Il te regarde, il ne te passe même pas le salam. À combien de fois ça nous est arrivé Ou alors, c'est un frère que tu ne vois pas à la mosquée, mais c'est l'un de tes voisins. Un de tes voisins, tu sais que c'est un musulman parce qu'il porte le kamis. Il est typé musulman entre guillemets, typé maghrébin, typé comorien. Tu le vois en kramis, il te croise, tu le regardes, tu lui fais un sourire, tu t'apprêtes à lui dire salam alikoum et il baisse la tête et il est renfrogné. Eh bien là, ça met dans ton cœur tout le contraire. Ça va mettre de la répulsion vis-à-vis -vis de lui dans ton cœur. Tu vas même avoir du sahôvane, so des mauvais soupçons à son égard. Tu vas te dire mais c'est quoi c'est quoi cette nouvelle génération de musulmans, ces musulmans qui croisent leurs frères dans la rue tu vois que tu lui fais un sourire parfois même tu lui passes le salam et il ne te rend même pas ton salam. Donc tout ça ça ne fait absolument pas partie des bons comportements. Non, le bon comportement du musulman c'est d'être souriant. Et comme on l'a vu dans les cours, le, le deuxième cours je crois sur les salutations, rendre le salam déjà c'est obligatoire. Comment ça se fait qu'on a des frères tu leur ou des sœurs, tu leur passes le salam, non seulement ils te font la tête à croire que à croire que tu les as cambriolés ou je ne sais quoi. Et en plus, ils ne te répondent même pas au salam. Mais, alhamdoulilah, nous les musulmans, on n'a pas, pas été éduqués pour rendre le mal par le mal. Ils ne te rendent pas ton salam, c'est pas grave. C'est pas grave, toi tu seras récompensé. Tu auras, auras tes hasanat, ne t'inquiète pas. Donc, ne te comporte pas mal envers lui comme lui le fait envers toi. Continue à le saluer. Continue à apprendre tes hasanat. et tant pis pour cette personne. Mais. Ne te mets pas pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Toi aussi à devenir renfrogné, avoir le visage noir, euh, le l'attitude le, 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 euh, méprisante, dédaignante, dédaigneuse lorsque tu le rencontres. <métitôt> فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال حق المسلم على المسلم ست وقيل وما هن يا رسول الله فقال اذا لقيت اذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه والحديث أخرجه الإمام مسلم Donc, Cheikh Shawkat nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a classé parmi les droits des musulmans les uns sur les autres. Le fait de, 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 de recevoir le bon conseil lorsqu'on le demande et al-mashwara ou bien al-mushawara, la consultation. C'est quoi la consultation C'est le fait de se réunir entre frères et on se consulte les uns les autres on se demande conseil les uns les autres voilà moi je souhaite faire cela qu'est ce que vous me conseillez mes frères est ce que c'est une bonne chose qu'est ce que vous pourriez m'apporter comme euh, comme conseil euh, judicieux etc etc abu anhu a dit que le messager d'allah sallallahu alaihi wa, alayhi wa sallam, a dit et ce hadith là on, on, on en a consacré toute une khutba qui est d'ailleurs disponible dans la playlist des sur euh, ma chaîne YouTube, pour ceux qui veulent approfondir ce hadith en, en détail, le messager d'Allah a dit que le droit du musulman sur le musulman est au nombre de six. » et on lui a demandé lesquels sont-ils, au messager d'Allah, il a dit lorsque tu le rencontres, salue-le. Donc on a dit que saluer ibtida'an, commencer par le salut c'est une sunnah, mais rendre la salutation c'est wajib, c'est une obligation. Et lorsqu'il t'invite, réponds à son invitation. Et lorsqu'il te demande conseil, et c'est ce point-là du hadith qui nous intéresse, lorsqu'il te demande conseil, conseille-le. Et comme on l'a dit dans la khutba, ça veut dire quoi Ça veut dire conseille-le du conseil que tu aurais aimé recevoir si tu étais à sa place. Et c'est pas euh, ton frère il vient te demander voilà, j'ai ma petite sœur qui aimerait se marier, quel frère tu est-ce que tu me conseilles de la marier à tel frère qu'on connaît tous les deux en commun. Toi, ce frère-là, jamais tu ne lui donnerais ni ta fille, ni ta soeur, ni personne. Pour rien au monde. Même pour une dot de 1 million, tu ne lui donnerais pas ce, ta, ta fille, ta soeur. Et pourtant, comme ce n'est pas tes affaires à toi, que c'est les affaires d'une de, 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 autre personne, tu vas lui dire, oui, vas-y, là, c'est un bon frère, etc. Et ça, on l'a expliqué dans la khutbah. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut agir. Tu dois donner le conseil que tu aurais aimé recevoir. Si tu étais à la place de celui qui demande le conseil. Et lorsqu'il est ternu et qu'il loue Allah, fais-lui at -tashmit. On a expliqué ce que c'était qu'At-Tashmit dans les cours précédents. Et lorsqu'il tombe malade, visite-le. Et lorsqu'il meurt, suis-le. On a déjà expliqué toutes ces choses-là. Donc, Cher Shawkat nous dit ce cette nasiha dans la religion, ce bon conseil, c'est une obligation mutlaqane. C'est une obligation qui, qui est absolue. Elle n'est soumise à, à aucune condition. Et elle est d'autant plus obligatoire, ce bon conseil, l'apport du bon conseil, prodiguer le bon conseil, est encore plus obligatoire lorsque un frère te demande le bon conseil, lorsqu'un frère musulman te demande de le conseiller. Alors qu'est-ce qu'on en comprend de tout ça On en comprend deux choses. Déjà, apporter, prodiguer le bon conseil, déjà, c'est une obligation islamique. Même si on t'a pas demandé ton avis, pourquoi tu vas me dire, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit islam il mar yani comme on le trouve dans les Arba'in Nawawiya, parmi le bon islam. Euh, de la personne le fait qu'il délaisse ce qui ne le regarde pas donc pourquoi moi je vais mêler des affaires des autres et je vais leur donner euh, des conseils ben parce que le bon conseil ça rentre dans munkar l'ordonnance euh, de la bienséance et la réprobation du blâmable donc toi tu vas avoir quelqu'un délaisser une obligation ou tu vas avoir quelqu'un faire un mal wa anil munkar c'est justement aller voir cette personne pour le conseiller et combien peu, dans notre Oumma en 2021, maintenant, existe-t-il de bons conseillers Il y en a encore une poignée. Et ces frères-là, ces rares frères qui existent encore, qui sont capables d'aller voir leurs frères, quitte à, à avoir une image de dur, de rigoriste, de, de, de quelqu'un, euh, comment on appelle ça euh, de rabat joie, c'est le mot que je cherchais, de rabat-joie, t'es tout le temps là à, à, à nous casser notre ambiance, nous on était en train de faire ceci, et puis toi tu viens, c'est haram, nous on était en train de faire ceci, et tu nous dis ouais mais ça c'est obligatoire, etc., etc. Il y a à cause de ça, justement, parce qu'on a peur des autres, et on a peur de, 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 de la réception de notre conseil, de comment est-ce qu'ils vont accepter le conseil, on se retient de donner le bon conseil. Alhamdulillah, il y a encore quelques très rares frères. Et ces rares frères... Accrochez-y vous. Ne leur tournez pas le dos. Parce que s'ils ne sont plus là, il ne restera plus personne sur Terre pour conseiller. Et ça, ça fait partie, par exemple, du chapitre de la mise en garde. On, en, on a de cesse de parler de ce fameux chapitre de la mise en garde. Oui, mais les mises en garde, c'est pour les rigoristes, c'est dur. S'il si, n'y avait pas ces quelques frères, ces rares frères qui osent prendre le micro pour dire faites attention à Bousséna. Faites attention à Vincent Souleyman, ce sont des égarés, ne les suivez pas, ne les écoutez pas. Ce Vincent Souleyman, il te fait un, un, une vidéo, la croyance euh, salafi vs la croyance ashari, qu'est-ce qu'il faut choisir Au final, tu sors de sa vidéo, tu sais même pas quoi choisir. Tu, tu te dis même, il suffit de faire plouf, plouf. Pourquoi Parce qu'il te dit, les gens de Ahl ou Al ou Wal Jamare sont de trois groupes. Les salafis, les ash'ari et les Matouridis, ces trois, c'est des gens de la Sunna et de la Jama'a. Qu'est-ce que c'est que ces histoires Lui-même, c'est une personne com complètement influencée par les Irwano-Soufis, tels que Deddao et compagnie, qui ont subi mise en garde contre mise en garde. Donc, c est, c est, si tout le monde se taisait, qu'on ne s'apportait pas mutuellement des bons conseils, ou qu'il n'y avait pas quelques rares personnes qui quittent à se faire des ennemis, quitte à n'avoir plus aucun ami autour d'eux, disait quand même la vérité, quoi qu'il arrive. Même s'il devait se retrouver seul d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas Abou Dhar lui-même, ou alors c'est un autre compagnon, mais il me semble que c'est Abou Dhar qui a dit « Le fait de dire la vérité ne m'a laissé aucun ami. Pourquoi » Pourquoi Parce que je vais voir un ami, je vais lui dire « Ahi, mais t'es en train de faire ceci, c'est haram, ahi tu ne devrais pas faire cela. Tu le sais bien que c'est Haram. Il te dit d'accord, d'accord. Tu le revois le lendemain, il fait le même péché. Tu le reconseilles. Il te dit d'accord, d'accord. La troisième fois, tu ne le revois plus. Pourquoi Parce qu'il a déménagé. Il t'a tourné le dos. Il t'a boycotté. Il t'a bloqué sur Facebook. Il n'a plus envie d'entendre parler de toi. Pourquoi Parce qu'il te fuit comme la peste. Pourquoi Juste parce que tu es un bon conseiller. Tu as cherché son bien. Tu as cherché sa guidée. tu as voulu lui, app lui apporter ce qui, ni là, le, le propulserait au paradis, alors que lui, il est sur la pente descendante. Peut-être qu'il va tomber en enfer. Toi, tu, tu accours à son secours, et ta seule rétribution, c'est qu'il te tourne le dos. Et malheureusement, ça arrivait déjà à l'époque des salafos Sahir et des compagnons du Messager d'Allah. Et en 2021, ça arrive plus que n'importe quand. Tu conseilles un frère. Tu fais une vidéo sur euh, YouTube, tu fais un rappel sur Facebook, sur Twitter, tu mets en garde contre une tête de l'innovation, l'une des pires personnes dans la prédication. Tu vois, le lendemain, tu as perdu 70 abonnés. <laughs> D'un coup, ils se sont volatilisés. Pourquoi oh, Lui, tout le temps en train de parler sur les autres, tout le temps en train de ci, tout le temps ça. Moi, j'ai trouvé aucune erreur dans les cours de Mohamed Navir J'ai trouvé aucun, une, aucune erreur dans les cours de Rachid El-Jay. Moi, j'ai écouté toutes les vidéos de Vincent Souleyman. Il n'a jamais dit de bêtises. Tout ce qu'il dit, c'est la sunna. Mais Aslan, toi, t'es qui Et à quel niveau pour savoir qu'ils n'ont jamais dit d'erreur Tu as quel niveau dans la sunna, dans la croyance, dans le minhaj Combien de livres tu as lus Combien d'années tu as étudié au pied des savants pour pouvoir jauger que Vincent Souleyman ne raconte pas n'importe quoi. Moi, on m'a envoyé une vidéo qui fait que 9 minutes que j'ai écoutée hier sur justement Croyance Salafi-Achari, laquelle faut-il choisir Mes oreilles étaient, étaient rouges Elles tremblaient de terreur pendant 9 minutes Je me disais, mais si je devais faire une mise en garde juste sur ces 9 minutes, il faudrait que je prenne des notes. Tant il y a de choses à dire et, à, et surtout à contredire et à réfuter. Alors imaginez-vous, imaginez-vous, si je devais écouter toute son œuvre, qu'est-ce qu'on en sortirait comme, 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 comme catastrophe, comme démolition de l'islam et de la sunna, et comme travestissement de la vérité euh, euh, par le faux. Donc, les bons conseillers, que ce soit dans le domaine de la mise en garde ou que ce soit un frère lambda, une sœur lambda qui vient conseiller son frère, sa sœur, qu'elle sache qu'elle est sur le droit chemin, qu'elle est en plein sur la voie de la sunna. C'est ça. Et l'imam Ibn Abdelbar nous dit qu'en plus, tu fais des sadaka, tu seras récompensé. Mais ne te fais aucune illusion, Harry. Ne te fais aucune illusion, Ourti. Sache que si tu empruntes ce chemin tu vas recevoir en retour les hasanat, la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne t'attends surtout pas à recevoir la rétribution des gens. Celui qui œuvre pour la satisfaction d'Allah, il n'aura que la colère d'Allah. Mais celui qui œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala et sa seule satisfaction ne sera jamais déçu. Il ne sera jamais déçu, il sera déçu par les gens. Mais yaumal al-qiyamah, quand il verra ce qu'Allah lui a réservé pour sa persévérance, pour ce djihad qu'il a mené sur terre à être l'un des seuls, à être l'une des seules à propager la vérité dans une époque d'ignorance où les gens ne sont qu'abreuvés par le faux et qu'ils ont pris la bida'a pour sunnah et qu'ils ont pris la sunnah pour bid'a et qu'ils ont pris le vrai pour le faux et qu'ils ont pris le faux pour le vrai. On est en plein dans l'époque des Dajjalil des Dajjalil, des, 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 euh, oui, et des, euh, comment on les a appelés, euh, le messager d'Allah, ces imposteurs qui trompent les gens et qui leur présentent le vrai comme étant le faux, etc. Donc attends-toi à subir des torrents d'insultes, de, des torrents de mépris, des torrents de dédain, des torrents de calomnie même. On va aller jusqu'à te calomnier pour te faire taire pour te décrédibiliser. Tu vas, vas apporter une vérité, on va te dire, celui-là, ne le suivez pas. On ne sait pas d'où il sort, c'est ceci, c'est cela. Ne l'écoutez pas, continuez à écouter. Comme le disaient les gens de Nour, continuez à vous accrocher à vos idoles. N'écoutez pas ce messager, n'écoutez pas Noé. Ne délaissez pas vos idoles, ne délaissez pas Soar ou à Nasra, etc., et toutes leurs idoles. Attendez-vous à connaître le même sort, la même chose. Mais c'est un fard qui faille. C'est une obligation collective. Une partie de la Ummah, une partie de la communauté, dans chaque sous-communauté de l'islam, la communauté des francophones, la communauté des anglophones, la communauté des ourdophones, la communauté des gens qui parlent soniqué, etc. Dans chacune de ces communautés, il doit, il doit, pardon, il y avoir au moins quelques personnes qui, qui prennent le drapeau, qui lèvent le drapeau du bon conseil, du amrubil il mahrouf et qui s'acquittent de cette tâche. Sinon, tout le monde va périr. Ce sera la perdition pour tout le monde. Mais Allah subhanahu wa nous le dit dans un verset, ne euh, pensez pas que nous ne châtirons que les euh, plus pervers et les plus iniques d'entre vous. Et Rasulullah nous a expliqué ceci en nous disant, ce sont ceux qui vivent dans la, au milieu de la turpitude parmi ces pervers et qui ne la condamnent pas. Eux-mêmes ne font pas cette turpitude, seulement ils se taisent. Ils font semblant de ne rien voir, de ne rien entendre et ils ne disent rien. Fahum sawa. Ils seront pareils. Et ils seront châtiés pareil. Donc c'est absolument important qu'il y ait une partie de la Houma qui s'acquitte de ce devoir, qui s'acquitte de ce pilier du bon conseil. Mais, comme je vous l'ai dit, ne vous attendez surtout pas aux éloges des gens. Car ce sera tout le contraire. Ce ne sera que critique et mépris que vous recevrez. Et vous ne serez suivis que par une dizaine d'individus au cœur pur. Des gens sincères qui savent reconnaître le faux du vrai. Et qui, ont des, et qui savent que ce, que ce à quoi vous les appelez, c'est la vérité. Et qui savent que si parfois vous les piquez un peu, que vous leur donnez des conseils qui contredisent leurs nafs, qui contredisent leurs passions, leurs désirs, c'est pour leur bien. C'est pas pour les embêter, c'est pas pour euh, leur rendre la vie insipide. Non, c'est pour leur bien. Et alors ils continuent à vous suivre. Mais bien sûr, la plupart des gens vont se, déter vont se détourner de vous. Si un compagnon du messager d'Allah... Et qui étaient les meilleures personnes de toute la création Si ce ne sont les compagnons des messagers après, bien sûr, les messagers et les prophètes eux-mêmes. Il n'y a pas meilleur qu'un compagnon qui a passé sa vie au pied du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si même lui, il a dit « Dire la vérité ne m'a laissé aucun ami », pensez-vous que vous, vous allez continuer à avoir des amis si vous prêchez Bien sûr, si vous prêchez le vrai. Parce que si c'est pour prêcher le faux comme El-Jay, Boussena, Ismail Mounir, vous allez avoir des tonnes d'amis. Vous allez avoir des millions de fanatiques. Des gens qui vont se dire oh, « Enfin, on a un imam qui nous dit ce qu'on a envie d'entendre !» Nous, on ne veut pas un imam qui nous dit ce qu'on DOIT entendre. On veut un imam qui nous dit ce qu'on VEUT entendre. Je n'ai pas envie d'entendre que le niqab c'est obligatoire, c'est trop compliqué de porter le niqab j'ai pas envie d'un imam qui me dise que porter la barbe c'est obligatoire, serrer la main à une femme au boulot c'est interdit et que faire sortir mes prières de leur heure parce que je travaille c'est interdit. Moi, j'ai envie d'un imam qui me dise que je peux me raser, que je peux serrer parce que c'est daroura et que je peux rattraper mes 5 prières le soir avant de dormir. C'est ça que je veux entendre. Donc bien sûr que je vais m'abonner. J'ai même pas besoin qu'il termine toutes ces vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous, euh, n'oubliez pas la petite cloche. J'ai pas besoin, je le fais de moi-même, de bon cœur. Tellement c'est, j'attendais ce genre d'imam. Mais un imam qui dit la vérité, il aura beau supplier son auditoire de s'abonner, personne ne s'abonnera, parce que ce n'est pas ce que les gens veulent entendre. Et pourquoi croyez-vous que la majorité de l'humanité suivra le Dajjal et que le clan, le parti du Mahdi sera comparé au Dajjal, mais en, en infériorité numérique, de manière abyssale, colossale? Et pourtant, Allah sauvera les mouminines. Allah donnera la victoire aux sincères, aux véridiques. Donc, choisissez bien votre clan. Choisissez bien votre groupe. Parce que croyez-moi, ça va arriver bien plus tôt et bien plus rapidement que vous ne vous l'imaginez. Vous vous dites, j'ai encore le temps, moi, de me réformer avant la venue du Dajjal. J'ai le temps d'étudier. Pour l'instant, je vais euh, mettre mes 25 euros dans un module de Aqidah Ash'ari de l'Institut Maziri, quand bien même le frère Mohamed Woura fait des cours gratuits de Haqqeda, quand bien même le frère Intel, le frère Intel, le frère Diko du Musulman, le frère Intel, il nous donne des cours gratuits sur YouTube, il nous donne, ils font des publications gratuites. Non, moi je préfère donner mon argent à des inconnus, à des égarés, à des déviants. Et ensuite je me dis, tranquille le Dajjal, je saurai le reconnaître, il y aura écrit Kafara sur son front. On verra le jour venu. On verra le jour venu. Comme je l'ai dit dans mon avant-dernier cours, on n'est même pas capable de faire la distinction entre une marionnette et un pantin, comme Ismaël Mounir par exemple, et un prédicateur qui appelle à la vérité, qui appelle au vrai, qui pourtant en plus est diplômé, qui fréquente les savants, qui est en contact avec les savants qui respire la sunna, et que on n'arrive même pas à savoir qui suivre, et d'ailleurs on suit même le pantin, et l'autre on le délaisse, et on se dit, le Dajjal, moi, j'en fais une tasse de thé au petit déjeuner. Je vois le Mahdi, je le suis direct, et je vais combattre le Dajjal. On verra bien, on verra bien qui seront les véritables suiveurs du Mahdi, et qui seront les véritables suiveurs du Dajjal, parce qu'on sent vraiment que cela est proche. Et si ce n'est pas notre génération, il y a de, 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 de grosses probabilités que ce soit la génération de nos enfants ou de nos petits-enfants qui y assistent. Quand on voit la, la, la tournure des choses, ne serait-ce qu'en France. Ne serait-ce qu'en France. Donc le bon conseil, cher Chaukat nous disait, c'est déjà obligatoire de l'apporter quand bien même on ne te demande pas ton avis. Mais il nous dit, alors si en plus on te consulte et on te demande ton avis, voilà, Achri euh, « J'aimerais que tu me conseilles, est-ce que tu penses que je devrais faire tel métier, sachant qu'il y a ça et ça d'ambigu, de, de haram Une sœur qui vient te demander ton avis, à, voilà, il y a tel frère qui m'intéresse, cependant j'ai entendu ceci et cela sur lui, est-ce que tu me conseilles ?» Là, on est d'autant plus obligé de lui dire la vérité. Et comme je l'ai dit dans mon cours spécial là-dessus, que tu caches les défauts et les manquements, de ton frère, c'est une chose, mais que cela ne t'empêche pas de dire la vérité. Et il te suffit de dire, je ne te conseille pas telle personne pour t'être acquitté de ton devoir. On te dit, j'aimerais marier ma fille à un tel, est-ce que tu me le conseilles T'es pas obligé de dire, non, 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 ce, ce frère-là, c'est quelqu'un qui fréquente les filles. Ce frère-là, on le voit jamais à la mosquée. Une fois par il n'arrive même pas à faire une prière par jour à la mosquée. Même le djoumoua, on ne le voit pas, on ne sait pas où il est. Allahu Alaim. En plus, je l'ai déjà vu faire cela. C'est quelqu'un qui ment. Et que non, on ne te demande pas de, de dresser une liste de tous ses défauts. Au pire, tu le caches, mais tu dis la vérité. Tu dis non, non, non. Ne marie pas ta fille à lui. Ou elle sera malheureuse. Et je n'ai pas besoin de t'en dire plus. Ça suffit. Est-ce que ce n'est pas déjà le meilleur des conseils que de te dire ne lui marie surtout pas ta fille Fuis-le comme la peste. Ça suffit. Et tu t'es acquitté de ton devoir. Car on l'a dit, c'est une obligation et un devoir que d'apporter le conseil que tu aurais aimé, aimé toi recevoir si tu étais à sa place. Et Shaq Shawkat nous dit, le messager d'Allah, alayhi, wa alayhi wa sallam, a mis en garde ceux qui, lorsqu'on les consulte, trahissent et trompent ceux qui sont venus leur demander consultation et bon conseil. Et il a mis en garde de ne pas lui prodiguer, de lui apporter l'élément de réponse, le conseil qui contient son bien, à cette personne qui t'a demandé son le bon conseil. Non, toi tu vas lui donner des conseils dans lesquels il y a son mal, dans lesquels il y a sa perdition. Le messager d'Allah sévèrement mis en garde contre cela. Fa'an من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه والحديث أخرجه الإمام وبداود داود وهو في صحيح الجامع للألباني رحمه الله رحمهم الله أبو هريرة رضي الله عنه غبطة d'Allah مساجد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم dit Celui qui fait une fatwa, afta, ça veut dire faire une fatwa. Sans science, il aura le, le poids du péché de celui qui l'a suivi dans cette fatwa. Il y a un frère qui vient te voir et il te dit voilà, euh, Ahri, euh, euh, est-ce que j'ai le droit euh, euh, Je sais pas moi, est-ce que j'ai le droit de euh, euh, J'ai pas un exemple en tête pour vous montrer un haram qui est. Euh... Ah ben voilà. Revenons chez notre cher ami Ismaël Mounir. Un frère vient le voir, Ismaël. Est-ce que j'ai le droit d'écouter de la musique avec des instruments Ismaël Mounir, vous, vous dites bien sûr, bien sûr. Il euh, y a un imam qui est venu 400 ans après le messager d'Allah qui a dit que c'était autorisé. Oui, oui, tous les autres avant lui ont dit que c'était Haram, c'est un Ijma, c'est un consensus. Mais il y a un imam qui l'a autorisé, donc c'est Halal. Eh bien, ce frère, en l'occurrence Ismaël Mounir, va prendre le péché de tous ceux qui auront écouté de la musique à cause de sa fatwa. Parce que ceux qui, ceux qui auront écouté de la musique, ils n'ont pas la science. Tu leur dis, Rawahul Bukhari wa Muslim, et ceci, et c'est un ijmar. Ils vont te dire, mais je ne sais même pas c'est quoi un ijmar. Quand même tu me traduis ça en français, tu me dis, ça veut dire consensus, ça ne me parle pas. Pour moi, c'est du chinois, ces mots techniques, consensus, Bukhari Muslim. Moi, j'ai demandé à un savant, j'ai demandé à Ismaël Mounir, il m'a dit que c'était halal, c'est bon. Je me... fasse je... à l'ou in inkuntum ta'lamoun demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Bon, faut vraiment être euh, complètement à la ramasse pour s'imaginer que Ismaël Mounir fait partie des gens du Zik, des gens du rappel, ceux qu'on peut interroger dans des questions d'ordre religieuse. Mais, comme on l'a dit les débutants, et moi-même j'étais dans ce cas-là, je suis arrivé en Égypte, je ne savais même pas ce que c'était qu'un chiite, un salafi, un soufi pour moi, on était tous musulmans. La darwa des Ikhwani, Parce que c'est ce que j'avais entendu les quelques fois où j'avais entendu quelque chose à la mosquée, que j'avais entendu une adhère à Bouhanna, se dire on est tous musulmans. Il n'y a pas de différence entre un salafi et un tabliri. On est tous musulmans. Bah forcément, moi j'arrive en Égypte, je me dis on est tous musulmans. J'allais me poser mes questions à des frères filles, là, qui avaient un peu plus de science que moi, qui étaient anti-wahhabites etc. Et voilà comment je me suis égaré pendant les deux premières années de ma vie. Les deux premières années de mon talab al-ilm. Donc, celui qui a égaré les gens à cause de sa fatwa, portera le poids et le préjudice de tous ceux qui l'auront suivi dans le faux. Et ensuite, Rasulullah nous dit, et celui qui va indiquer à son frère une chose dont il sait que la vérité et la droiture est ailleurs. Tu sais que c'est haram, mais tu vas lui dire halal. Tu sais que c'est halal, tu vas lui dire haram. Ou bien tu sais qu'il ne devrait pas marier sa fille à un tel, et tu vas lui dire, si, si, vas-y, marie-la. Tu, 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 tu sais que la vérité ou la 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 le ce qui ferait son bien et ce qui lui serait bénéfique est ailleurs. Au lieu, au lieu de lui conseiller cet ailleurs, tu vas lui conseiller ce qui ne lui est pas un bien pour lui, ce qui ne lui est pas bénéfique. Eh bien, Rasulullah nous dit fakad khanahu il l'a certes trahi. Et malheur aux trahisseurs. Malheur aux trahisseurs dans notre religion. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin Oui, on va essayer de pousser un peu plus loin pour terminer le chapitre du bon conseil. Donc l'imam Ibn Abdelbar nous a dit musliman celui qui aura consulté un bon conseiller musulman. Alors bien sûr, hein, tu cherches un conseil, tu ne vas pas demander un kafir. C'est ce qu'on expliquait, je crois, dans le cours dernier, par rapport aux médecins. Tu as besoin d'un diagnostic par rapport à ton jeûne. Est-ce que tu peux jeûner ou pas Tu ne vas pas consulter un médecin, ou, surtout en France, où tu as 908 chances sur 10 de tomber sur un islamophobe notoire. Combien de médecins refusent des femmes voilées pour le simple motif qu'elles portent un voile Et c'est à une personne comme ça que tu vas lui demander son avis sur ton jeûne. Bien sûr, il va te dire ne jeûne pas. Moi, pour la faïda. J'avais, il y a quelques années de cela, consulté un, comment on appelle ça, un ostéopathe pour des problèmes de dos. J'avais juste des problèmes de dos. Et il a touché mes genoux et euh, il a vu que j'avais des rougeurs dans, au niveau des genoux. Et il m'a dit, euh, ça c'est à cause de la prière. <laughs> et ses limites, s'il ne me disait pas, il faut arrêter la prière, sinon vous allez avoir les genoux en compote. Donc il m'a dit, euh, donc comme je lui ai dit, oui mais c'est la prière, je ne peux pas arrêter la prière. C'est pas parce que j'ai des rougeurs aux genoux ou que ça va me provoquer des boursoufleurs que je vais arrêter la prière. Donc il m'a dit, Vous bah, vous pouvez pas mettre un coussin pour poser vos genoux euh, directement. Donc il a essayé de bricoler, mais la première chose qu'il a essayé, dont il a essayé de me détourner, c'est la prière. Finalement, j'ai appris par la suite, paraît-il, que c'est un juif. Alem, je n'ai pas remarqué de son nom. Mais paraît-il que c'est un juif, donc on voilà la gravité de consulter autre que les musulmans. Vous allez forcément avoir des conseils qui ne sont pas dans votre intérêt. Des conseils qui vont vous faire perdre votre religion si vous les suivez. Donc voilà pourquoi l'imam ibn Abdelbar nous dit Si tu demandes conseil à un musulman, Nasihan Musliman, tu ne seras jamais euh, dans la perdition. Tu ne périras jamais. Bien sûr. Il a employé le mot nasir, ça veut dire quelqu'un qui est un bon conseiller. C'est pas, tu vas voir ta voisine de l'étage, qui euh, certes est musulmane, mais c'est une femme qui porte même pas le voile, c'est une femme qui fait la bise aux hommes, etc., etc. Et tu vas lui donner des conseils à elle sur euh, les vêtements. Qu'est-ce que tu crois que je devrais acheter Est-ce que j'achète un jilbab comme ça Une milhafa a la base, elle va te dire n'achète pas ces trucs-là, c'est des trucs de rigoriste. Donc, bien sûr, lorsque tu, con lorsque tu cherches conseil, qu'aimant de conseil envers une personne taqri qui craint Allah, donc tu sais que il va te donner un bon conseil, même si ça doit euh, contredire tes passions. Mais si c'est pour demander conseil à n'importe quel musulman, alors il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun, aucun intérêt, car malheureusement, la plupart des musulmans de nos jours ne suivent que leurs passions. Sinon on serait tous euh, bien guidés, on serait tous bien guidés et Rasulullah sallallahu alayhi wa, wa n'aurait pas dit ma communauté va se diviser en 73 sectes, toutes seront dans le feu sauf une seule. Il y a une, un 73 e des musulmans qui va aller, euh, qui sera, qui se cramponnera à la vérité. Et tout le Et c'est pas un 73e, c'est. C'est une erreur de ma part de dire un 73e. C'est une secte sur 73. Sachant que cette secte, euh, plutôt ce parti de la vérité, qui est sur la vérité, ne représente même pas un 73e des musulmans, puisque ils seront vraiment en infériorité numérique. Peut-être qu'ils représentent par exemple un millième. Il y a un musulman sur mille qui s'accroche à quoi ils lui ont demandé les compagnons, c'est quoi ce groupe Il a dit c'est le groupe sauvé. C'est Maana alayhi wa Ashabi. C'est ceux qui sont. Sur ce que moi je suis et mes compagnons. En termes 2021, ça s'appelle comment As Ah oui, moi je vais pas je vais pas noyer le poisson dans l'eau comme Vincent Souleyman. Salafia ou Asharia, suivez qui vous voulez, euh, de toute façon vous êtes dans le vrai, vous êtes tous des Ahalou ou al allez suivre l'établir, allez suivre les soufis, c'est bon. Tant que, comme il a dit euh, Vincent Souleyman, c'est pas là-dessus qu'on sera interrogé dans notre tombe. Allah il va pas nous demander si on a interprété euh, ses noms et ses attributs, etc. Allah il va juste nous demander si on l'a adoré, SubhanAllah. Et qu'est-ce que tu fais de ce hadith, oh Vincent Qu'est-ce que tu fais de ce hadith Toutes dans le feu Toutes ces factions dans le feu sauf une Ma'ana alayhi wa ashabi Est-ce que les Asharites, les Asharites, les Asha'ira sont ceux sur quoi était le messager d'Allah Et ses compagnons D'ailleurs ce Vincent qui égare, comme, comme je vous l'ai dit, il aurait fallu prendre des notes. Je n'ai plus tout en tête. Mais il a commencé cette vidéo en disant, à la base ils ont toutes... Les mêmes bases, ils ont tous les mêmes fondements. Les Asha'ites, les Sarafites, etc. Ce qui est faux Et je vous renvoie à une vidéo de notre défunt Sheikh euh, is Mohamed Ismail Al-Mundakar, qui est décédé il y a quelques mois. Je crois que malheureusement la vidéo n'est pas sous-titrée. Pour ceux qui comprennent un peu la langue arabe, cherchez la vidéo où euh, on lui a posé la question est-ce que Ibn Hajar al-Asqalani et An-Nawawi était des hacharites. Il a, il a tout résumé en quelques minutes. Je crois que la vidéo fait seulement un quart d'heure. Elle est magnifique, cette vidéo. Il vous explique que al contrairement à ce que prétend ce manipulateur de Vincent Souleyman, qui prouve d'une part son grand égarement et d'autre part sa grande ignorance, puisqu'il parle de ce dont il n'a aucune maîtrise. Les achariras, ils ont plusieurs fondements. Sheikh Al Mandakar nous a dit que l'un de ses fondements, oui, c'est le, le Ta'wil oui, ou le Ta'fwil. C'est dire que parmi les noms et attributs d'Allah, euh, il y a des attributs dont on ne connaît pas le sens. Al-Yad, on ne connaît pas le sens. On l'affirme. Nous b'tul-Yad on affirme, on dit oui, Allah a une Yad. Mais en français, ils seront incapables de traduire. C'est pour ça que parmi les égarés à ils seront incapables de traduire Istawallahu ala al-Arsh. Toutes ces choses-là seront incapables de les traduire car s'ils les traduisent, ça veut dire qu'ils en ont compris le sens. Or, selon leur doctrine, nul n'en connaît le sens en dehors d'Allah. Donc ils ont deux madhhabs. Soit le madhab du tafwid et ils remettent le sens. À Allah en disant nous on n'en connaît pas le sens ce qui est faux et en plus ils prétendent que ça c'était le madhab des salaf ce qui est faux c'est ce qu'on nous a enseigné à El Hazar on nous a dit le madhab des salaf c'est le tafwid, ce qui est entièrement faux deuxième madhab c'est le fait de faire un tawil c'est-à-dire là, on va faire une interprétation et on va se permettre de dire, il se peut que le sens, ce soit la puissance. Par exemple, Yadullah, la main d'Allah, il se peut que le sens de la main d'Allah, c'est la puissance. Donc ça ne veut pas dire main finalement. Aliyad dans ce, dans ce contexte-là, ne veut pas dire main. Ne veut pas dire que Allah, il a une main. Ici, ça veut dire qu'Allah, il a la puissance. Donc il détourne complètement les noms et les attributs d'Allah. Donc... Sheikh Mundakar nous a dit ça c'est un des piliers des Hashariras. Mais c'est pas juste ça le asharisme Si ce n'était que ça, alors il n'y aurait pas tant de, de critiques envers les Hashariras. Mais il nous a dit parmi les fondements du Hasharisme, « Taqdimu l'aqlī ala Et ça c'est bayin. C'est évident pour quiconque a étudié l'aqida Hashariya avec les maîtres asharites la première chose qu'on t'explique, c'est que tout ce qui contredit la raison, on le détourne. On le dépouille de son sens, jusqu'à lui donner un sens qui corrobore notre raison. Ah, Allah a demain Ah ben non, moi ma raison me dit que demain, il n'y a que les humains qui ont demain. Donc Allah ne peut pas avoir demain. Donc il y a forcément, ça veut dire, et je vais détourner le sens pour... Que ma raison l'accepte. Ah ben, puissance. Oui, puissance, ça me va. Puissance, ça me convient très bien. Bon, ben, Yadullah, ça veut pas dire la main d'Allah, ça veut dire la puissance d'Allah. Et ça, c'est basé sur quel précepte Sur quel euh, pilier Le pilier de taqdimul aql, ala On fait précéder notre intellect, notre raison, sur les textes. Rasoulullah, il a était envoyé comme Mufassir al-Qur'an, comme explicateur du Coran, est-ce que Rasulullah aurait laissé ses compagnons dans les garments Il voit le mot « Yadullah », la main d'Allah, le visage d'Allah, la, la, la jambe d'Allah, il voit qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône, etc. Est-ce que Rasulullah leur a dit « Attention, hein, ces choses-là, ne vous imaginez pas qu'Allah a une main, euh, sinon ce serait de l'anthropomorphisme, non, ça veut dire qu'Allah a la puissance ». Le visage d'Allah, ça veut dire sa noblesse. Le pied d'Allah, ça veut dire qu'il est Jabbar, qu'il est autoritaire, etc. Non, le messager d'Allah s'est contenté de reprendre exactement les termes du Coran. Et il est même allé plus loin. Lorsque dans un hadith authentique, qu'il a parlé que les, cieux et la... et que les cieux seront ployés dans la main d'Allah, il a fait ce signe-là en lisant le verset. On l'expliquait dans nos cours de Minhaj al-Muslim, mais il n'y avait pas la vidéo, puisque j'étais dans une mosquée. Rasulullah fait ça, Akbala wa Adbara. Il a fait un mouvement d'aller-retour avec ses doigts. Il a, pour désigner la main d'Allah, alors certes la main d'Allah n'est pas comme notre main, mais Rasulullah a bien voulu nous dire que la main d'Allah c'était un attribut qu'il fallait comprendre selon le sens apparent. Ensuite, comment est-elle en détail Allahu A'lam. Mais ne vous imaginez pas que la main d'Allah, c'est. Pas sa main, justement, c'est plutôt la puissance. De la même façon, lorsque le messager d'Allah a dit Wa huwa sami'un basir, il a fait comme ça. Il a, il a montré vers son œil et son oreille pour montrer que Allah entend et voit réellement. Il ne faut pas s'imaginer que ça veut dire que ceci et cela. Et d'ailleurs, Al-Istiwa, qui est la pierre angulaire qui fait Al-Farq, bayna ahl sunna wa Ahl-Bid'a, « L'élevation d'Allah au-dessus de son trône Qui est la pierre angulaire Qui distingue entre le vrai et le faux Les tenants du vrai, les tenants du faux Les gens de la sunnah Et les gens de l'innovation et du faux Eh bien l'istiwa On vous invite à consulter l'ouvrage qu'on a traduit Le précepte de Marrakech De Sheikh ou Ibn Taymiyyah Qui est une perle en cela Et qui vous rapporte une grande partie des propos des salaf, des salaf pardon, et des grands imams de notre Oummah. Et vous voyez qu'est-ce qu'on dit les salaf Contrairement à ce que dit, et encore une fois, un grand mensonge éoté de la part de ce Vincent Souleyman qui dit les salaf n'ont jamais expliqué euh, euh, clairement les noms et attributs d'Allah. Non, donc c'est pour ça qu'après eux, eh bien, l'imam Ash'ari et les autres, ils ont dû expliquer, ils ont dû faire des tas. ta'wil, pourquoi Parce que les salafs ne l'ont jamais expliqué. Kazab Regardez ces imposteurs Et vous écoutez des imposteurs, et vous vous en délectez, comment voulez-vous ne pas finir égaré vous-même Et ne dites pas que personne ne vous a jamais mis en garde Parce qu'il y a une poignée de frères, jaloux pour leur religion, qui essaient de vous dissuader. Pas parce qu'on veut récupérer tout leur public, ça on s'en fiche. Comme on l'a dit, le fait de dire la vérité ne nous laissera aucun ami. Et moi, je m'en fiche d'avoir des amis ou des abonnés ou des suiveurs. Même si j'ai une personne qui me regarde sur YouTube, je continuerai à faire des vidéos. Même si j'en ai zéro, je me dis que peut-être, quand je serai mort, mon fils regardera mes vidéos. Et déjà, si j'ai réussi par la, si Allah par mon biais guide mon fils, j'aurais déjà tout gagné. Ensuite, les autres. C'est Allah qui guide mais on aura fait notre devoir on se sera acquitté de notre devoir. Donc ce grand menteur de Vincent Souleyman qui prétend que les salaf n'ont jamais expliqué clairement les noms et attributs d'Allah revenez au précepte de Marrakech qui est maintenant récemment mis en vente de l'imam Ibn Taymiyyah qu'on a traduit justement avec grand soin par la permission d'Allah car ça nous tenait à cœur. C'est un livre qui nous tient à cœur et vous le trouverez bien sûr dans tant d'autres livres des livres de Hakeda, il y en a des, 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 des bibliothèques entières. Tout ça, c'est le coin Hakeda. Les deux. Les deux bibliothèques, c'est un coin Akeda. Et j'ai pas tous les livres. J'ai pas tous les livres. J'avais pas l'argent pour tous les acheter. Vous trouverez les paroles des salaf Lorsqu'ils ont dit, lorsqu'on les questionne, qu'est-ce que veut dire le tout miséricordieux, s'est établi au-dessus de, de son trône. Ils ont dit... Ils ont employé un autre mot, synonyme, pour leur, pour leur expliquer que c'est bien ainsi qu'il faut comprendre. C'est l'élévation. N'écoutez pas ces moubtadi'a, ces innovateurs qui vous disent non, on ne peut pas parler de djihad, de sens par rapport à Allah, le Allah il n'est pas concerné par les quatre directions, Allah il peut pas s'élever, c'est pas une personne humaine, c'est les, les humains qui s'élèvent et qui descendent comme ça, Allah n'est pas concerné par toutes ces choses-là. Non, Istawa arsh, ça veut dire Il a pris le pouvoir sur le trône qui est la créature la plus forte et la plus imposante d'Allah. Donc le fait de prendre le pouvoir sur le trône c'est pour nous montrer la puissance d'Allah. Regardez à quel point ils ont dévié la quintessence de ce verset, la, la substance ultime du sens de ce verset. l'élevation d'Allah, ils en ont fait une puissance. Quel rapport La puissance, c'est une chose. Al Shay. Shay. Et les Salafus salaires ont justement dit pour expliquer que c'est bien l'Istiwa, que l'Istiwa est bien al ulu Il est au-dessus des cieux. Ils lui ont donné une direction, il est au-dessus des cieux. Et ils ont dit « au-dessus de son trône ». Et des paroles comme ça, on en a plein. Et les salafs sont allés encore plus loin, comme on l'a traduit dans le précepte de Marrakech. Ils ont dit « Bivatihi en personne. Ne commencez pas à écouter ceux qui vous disent « ça veut dire que sa puissance est au-dessus de toute puissance ». Non C'est Allah lui-même par sa personne son être son essence qui s'est élevé au-dessus des cieux élevé au-dessus de son trône donc vous voyez mes chers frères à quel point on peut facilement tomber dans l'égarement et sortir de cette de ce hizb hizbullah le parti d'Allah pour finir dans l'un des 72 autres hizb ces 72 autres sectes qui seront selon le témoignage de rasoulullah toutes dans le feu, sauf Hezbollah. C'est quoi Hezbollah C'est pas du tout le Hezbollah du Liban, du du du, du je ne sais pas d'où ils sortent d'ailleurs, d'Iran ou je ne sais quoi. Non, Hezbollah, c'est ma ana alayhi wa ashabi. Rasulullah vous a dit, c'est ceux qui sont ceux sur ce je ce quoi je suis ainsi que mes compagnons. Tu veux faire partie des gens sauvés du feu Suis le Messager d'Allah selon la compréhension de ses compagnons. C'est pour ça que les savants de la Sunna, les frères prédicateurs de la Sunna vous disent toujours « Suivez les pas des, des pieux prédécesseurs ». Parce que les pieux prédécesseurs, ce sont ceux qui ont suivi les tabi'in. Et les tabi'in, ce, ce sont les élèves des compagnons. Et les compagnons, ce sont ceux qui ont suivi Rasool Allah. Et tous ceux-là font partie des pieux prédécesseurs. Et quiconque cherchera la guider, Quiconque cherchera la croyance authentique ailleurs et des siècles après les pieux prédécesseurs ne trouvera qu'égarement et perdition. Quiconque cherche à prendre des cours avec Mohamed Navir de Nour al-Moubin, en plus il va payer pour ça. Il y a des pléthores de cours gratuits de croyance sur les trois fondements, sur les quatre règles, sur Kitab Tawhid. Notre frère Abdelkarim, Karim, il nous a fait des, des cours dessus. Tous les frères de la Sunna font des cours dessus. Gratuit. Vous avez juste à cliquer play. Vous n'avez même pas un centime à payer. Et non, vous préférez foncer tête baissée dans des séminaires où vous allez perdre votre argent et votre fitra, votre saine nature. Vous allez perdre votre hachida, votre croyance. Vous allez perdre le suivi de la sunna pour suivre des mouktadeha, des innovateurs. Alors désabonnez-vous de ma chaîne si ça vous fait plaisir. Alhamdulillah, on ne dit pas la vérité, on ne dit pas ces choses-là pour s'attirer des abonnés. Ce n'est pas notre intérêt. On dit cela pour nous acquitter de notre devoir, comme on l'a déjà dit. Addé nous al Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a résumé toute la religion en un mot. Il a dit la religion c'est quoi C'est le conseil. Moi j'essaye de mettre en pratique ma religion. C'est quoi Je vous donne le conseil. Attention, ne suivez pas un tel, ne suivez pas un tel. Écoutez les prédicateurs de la Sunna, suivez les savants de la Sunna, suivez ceux qui sont conformes avec ce, euh, avec quoi est venu le Messager d'Allah et ses compagnons, pour faire partie de cet unique groupe, le groupe sauvé, Atta et Mansoura, car tous les autres goûteront au châtiment de l'enfer, c'est la promesse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam d'ailleurs par quoi pensez-vous que tous les beaucoup d'imams de... et le messager d'Allah en premier lieu commençaient ces khutabs parce qu'on appelle khutbatul haja et dans khutbatul haja le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam nous dit wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalala finnar toute innovation est un balal est un égarement, et tout égarement est dans le feu. Et vous, vous vous accrochez à des gens qui vous noient dans les innovations et donc qui vous tirent avec eux vers le feu, qui vous est promis si vous ne faites pas taouba et, et que vous ne revenez pas à Allah et à la sunna du messager d'Allah selon la compréhension des salafus salih les plus prédécesseurs. Moi je ne vais pas, comme je l'ai dit, prendre quatre chemins. C'est le seul chemin que je connais pour vous. Et je ne vais pas vous dire comme Vincent Suleiman choisissez le chemin que vous voulez. Al muhim c'est que vous soyez musulman. C'est tout ce c'est tout ce sur quoi vous serez questionné. Qui est votre Dieu, qui est votre prophète. C'est tout. Le reste, on ira tous au paradis. Si c'est pas le Minhash des Ikhwan, je ne sais pas ce que c'est. Hein ne vous faites pas berner par la longueur de la barbe. Ne vous faites pas berner par un camis. Les pires des imposteurs portent une barbe et un camis. لي الإمام شيخ شوكات نودي قال الماوردي في أدب الدنيا والدين: اعلم أن من الحزم لكل ذي لب ألا يبرم أمرا ولا يمضي عزما إلا بمشورة ذي الرأي الناصح. ومطالعة ذي العقل الراجح فان الله تعالى امر بالمشور نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع ما تكفل به من ارشاده ووعد به من تاييده فقال تعالى وشاورهم في الامر. وقد كان من وصايا السلف مشا مشاورة اهل الدين واهل الخشيه فعن عمر قال: Tata alors je vais le lire après, inshallah, je traduis d'abord. Là on a des propos en or de l'imam al-Mawardi Rahimaullah, et on va s'arrêter dessus justement. Ce sera la fin du sous-chapitre sur euh, Abnasihaw Al al-Mashwara, la consultation. L'imam al, -Mawrdi, al -Mawrdi, pardon, nous dit dans Adabuddun Yawa page 289 pour ceux qui veulent y revenir, sache que la fermeté, dans, euh, que euh, le, 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 la, 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 la bonne conduite pour tout esprit euh, saint est de ne pas échafauder une affaire, c'est-à-dire ne, ne pas planifier, avoir envie, de faire une affaire et ne, ne prendre aucune décision à l'asme, de ne prendre aucune résolution sans avoir fait mashwara verra'inase, sans avoir consulté au préalable, se doter d'un avis pertinent, les bons conseillers, et d'avoir demandé à rajih ceux qui ont un esprit prépondérant, ceux qui ont un, un meilleur esprit que les autres revenez à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas n'importe quel musulman que tu vas consulter, c'est pas ta voisine à l'étage qui, à la base, elle ne sait même pas consulter elle-même, elle ne porte même pas le voile, déjà elle-même, elle ne sait même pas ce qu'elle doit faire pour elle-même, à la base, elle est censée porter le djilbab, voire le niqab comme on le dit, elle, elle sort sur le marché dévoilée, c'est pas une personne comme ça qu vers qui on va chercher bon conseil, cette personne-là ne se l'applique même pas pour elle-même, le bon conseil. Donc l'imam al nous dit, ce sont les gens, entre guillemets, pieux, ce sont les gens intelligents, ce sont les bons conseillers chez qui on, on, on va demander le conseil. Ce n'est pas chez n'importe qui, et encore pire chez les mauvais conseillers. Il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager Al-Mashwara la consultation. Allah a ordonné à Muhammad sallallahu alayhi wasallam alayhi wa de consulter ses compagnons quand bien même Allah azza avait rendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam pour les affaires religieuses il était infaillible pour les affaires religieuses et il avait promis de Allah avait promis à son messager de le soutenir Allah soutenait son messager, le messager ne pouvait pas s'égarer sans qu'Allah tout de suite ne le rappelle à la guider. Et bien malgré la promesse d'Allah de toujours soutenir et guider son messager, il lui a dit Consulte-les dans tes affaires, c'est-à-dire consulte tes compagnons. Pour... Alors que Rasulullah à la base, il était déjà guidé par Allah. Il n'avait à la base pas besoin de consulter qui que ce soit. Il avait Allah avec lui qui guidait ses pas. Mais Allah a voulu montrer l'importance de Ashura, la consultation, et s'il l'a ordonné au messager d'Allah, que dire de nous Que dire de nous qui ne sommes de base pas soutenus par Allah On n'est pas, c'est pas Allah qui guide nos pas, à moins d'être des Aouliya ou Allah. Mais sinon, le musulman lambda, que dire de son devoir de consulter les bonnes personnes avant de s'engager dans des décisions très importantes Et au passage, entre parenthèses, je vous recommande chaudement de toujours consulter Allah par Salatul Istikhara avant de vous lancer dans une affaire. Que ce soit un mariage, que ce soit l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, la hijra, tout ce que vous voulez faire, vos études, consultez Allah avant. Salatul Istikhara, la prière de consultation. Wa man comme l'ont dit les savants, ne sera jamais déçu celui qui a demandé conseil à Allah. Istakhara, ça veut dire consulter Allah, demander conseil à Allah. Voilà, oh Allah, si tu sais que cette affaire est un bien pour moi, dans ma vie présente, dans ma vie future, pour ma religion, facilite-la-moi et décrète-la-moi. Et si tu sais que c'est un mal pour moi, détourne cette chose de moi et détourne-moi de cette chose et prescris-moi le bien. Décrète-moi le bien où qu'il se trouve. C'est ça, en, 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 en résumé, salatul istihara. Et combien de personnes ne nous consultent pas en pleurs parce qu'elles ont fait les mauvais choix. Et quand on leur demande, est-ce que tu avais fait Sarat-Estechara Ils disent non. Moi, je pleure parce que ma femme me fait des misères. C'est une mauvaise épouse. Tu as fait istikhara avant de l'épouser Non. Non, elle était tellement belle. J'ai foncé tête baissée. J'ai même pas cherché à regarder la religion. Et pareil pour les sœurs. T'as fait istikhara avant de l'épouser, oui il te bat, il te frappe, il est parti six mois, il t'a abandonné avec les gosses. T'as fait istikhara Non. Tu as cherché sa religion Tu t'es assuré que c'était quelqu'un de religion Non. Non, c'est juste mon petit copain du lycée, il me fait marrer. C'est un beau gosse, il me fait marrer, et ça m'a suffi. La religion, j'ai pas cherché à côté. Ben qu'est-ce que tu attends d'une personne qui ne craint pas Allah Il va te craindre, toi il va te respecter toi alors qu'il ne craint même pas son Créateur et il ne respecte même pas son Créateur. Anna tu Comment pouvez-vous vous détourner à ce point-là Donc, vraiment avant toute chose importante, ista'hirullah, Consultez Allah par le biais de la prière de consultation. Et faites shura Allah Azza wa Jal par le biais de son ordre au messager d'Allah nous incite à faire shura, à consulter les bons conseillers de notre Umma, de notre communauté. Et enfin l'imam al mawardi conclut en disant et faisait partie des testaments, c'est-à-dire des bons conseils que léguaient les salafs à leurs héritiers, de consulter Ahluddin wa al-Khashia ce qu'on a dit, de consulter qui Ma voisine du dessus un tel qui passe ses journées au, au, au bistrot, mais bon, ça reste mon frère musulman. je peux lui demander conseil, on sait jamais. Peut-être qu'il va me donner un bon conseil, même s'il passe ses journées au bistrot, à, à jouer au loto et, et à boire un coup de temps en temps quand il te déprime, etc. Non Ahlud-Din, tu demandes conseil à des pieux, des gens qui ont de la religion, des gens qui vont chercher le bien pour toi, qui vont se, te, 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 te conseiller le bien comme ils se... se comme ils se le seraient conseillés à eux-mêmes. Des gens qui craignent Allah. Pas une femme qui craint même pas Allah dans son voile. Allah lui a imposé le voile à moult reprises dans le Coran. Elle ne le porte même pas. Elle ne craint même pas son Seigneur. Qu'est-ce que tu vas lui demander conseil Qu'est-ce que tu attends d'une personne comme ça Quelqu'un qui ne fait même pas la prière. Combien de personnes nous disent « Je me suis marié avec quelqu'un, je veux divorcer. » Elle nous dit, j'avoue, je l'ai épousé alors qu'il ne faisait pas la prière, mais je pensais qu'on allait s'entraider. Ça, c'est la plus grande ruse du shaitan. Je pensais qu'on allait s'entraider. là, il a dit, le mariage, c'est la moitié de la foi. Je me suis dit, moi, je vais compléter la moitié de sa foi grâce à moi, il va prier. Je vais réussir à, à, à l'entraîner avec moi dans la prière. Gr moi, j'ai épousé une mutabarija, une femme qui porte même pas le voile. Tranquille, elle sort en jupe dehors, tout le monde voit la moitié de sa nudité, mais je me suis dit qu'en l'épousant, elle allait finir par porter le voile. Et je pensais que la, le mariage c'est la moitié de la foi. Par mon biais, elle allait récupérer la moitié de la foi qu'elle a perdue avec ses vêtements. Eh bien, combien ensuite viennent nous voir en larmes J'aurais pas dû, je regrette. La prochaine fois, je ferai plus la même erreur. Il n'y a pas eu de istikhara et il n'y a pas eu la recherche du conjoint pieux. Et c'est pareil pour le bon conseil. On n'a pas demandé conseil aux personnes pieuses. Et on finit avec quoi Avec un crédit sur le dos. Pourquoi Parce que j'ai demandé à ce, euh, à, à ce pantin, ce clown de Hikriusen, si je pouvais acheter ma maison à crédit. Il m'a dit, bien sûr Le musulman, il vit pas en location. C'est pas un mesquine. Le musulman, il est aziz, il est fort, il est puissant. Bien sûr que le musulman, il achète, même s'il doit acheter à crédit. Et vas-y apesantis toi encore plus en France, dans le pays qui, va dé, qui dévoile nos femmes les, les unes après les autres. Donc bah, bien sûr, vous demandez conseil à des, à, à, des pantas, à des marionnettes, à des égarés, égareurs. des gens qui ne craignent même pas leur seigneur. Qu'est-ce que vous attendez qu'on vous donne comme conseil Et ensuite, vous pleurez parce que vous avez un crédit sur le dos, vous êtes noyé dans le haram, vous êtes mal. Vous êtes maudit par Allah. À cause de quoi À cause d'une fatwa. Pourquoi Parce que tu ne l'as pas demandé à un moufti. Tu l'as demandé à un clown du cirque Pinder. Forcément que ce qu'il va te donner, c'est des clowneries. C'est des numéros d'acrobatie. C'est de la poudre aux yeux. De la poudre de perlin pimpin. Il ne va pas te dire kalalla, kalara rasulullah. Il s'en moque de kalalla, kalara rasulullah. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que tu, comme il a dit, que tu lui donnes de la... que tu donnes l'argent à sa mosquée. Il te le dit droit dans les yeux. Ne viens pas à la dans ma mosquée, je m'en fiche tant que tu payes, tant que tu payes ma mosquée, tant que tu payes mon trône. C'est hallucinant. Mes propos sont durs, mais ils sont réfléchis. C'est pour votre bien que je dis ça. Désabonnez-vous. Se désabonnera ceux qui veulent se désabonner. Là, tout, tous ceux qui pensaient que Hassan Idrissou était une bonne personne, ils vont même pas chercher à savoir si ce que je raconte est vrai ou pas. Et ils vont tous se désabonner. On fait une publication sur Bousséna, on perd 20 abonnés. On fait une publication sur Intel, on en perd 70. Alhamdulillah, Alhamdulillah, même si j'ai zéro abonné, on continuera. Ça servira toujours à une personne sincère. Et comme l'a dit le messager d'Allah à Ali, anhu, qu'Allah azawajal guide par ta cause. Un homme. Il n'a pas dit qu'Allah guide mille followers, dix mille followers, si tu as un million de followers sur YouTube, non. Il a dit qu'Allah guide une personne par ta cause. Cela te sera meilleur que les chamelles rousses, qui étaient le butin le plus précieux à l'époque. Avoir des chamelles rousses, c'était avoir l'équivalent de, de Mercedes et Lamborghini de nos jours. C'est-à-dire ce sera meilleur pour toi que d'être riche qu'Allah guide par toi une personne. Mais qu'Allah laisse dans l'égarement un million de personnes qui te suivent, qu'Allah fasse dévier les cœurs d'un million de personnes par ta cause, parce que tu les as égarés, imagine-toi. Comme on vient de le voir dans le hadith de Rasulullah qui a dit Man afta, ahadan bi ilmin kana alayhi wizruhu, kana alayhi ithmu man aftahu, celui qui a donné une fatwa sans science qui par cela a égaré tous ceux qui l'auront suivi. Imaginez-vous, il aura le poids du péché de tout ce qui l'auront égaré. Et on demande à Allah Azza de nous préserver jusqu'à ce qu'on le rencontre, et jusqu'à la mort de faire partie de ces égarés-égareurs. Wa kafabihi Ifman. Cela suffit comme péché d'être un égaré-égareur. Ça suffit à entrer jahannam. Ça suffit à être parmi les premières personnes qui entreront en enfer. Donc l'imam al-Mawardi nous cite à ce propos la parole de Omar ibn al-Khattab anhu que vous pourrez trouver dans le Kitab az-Zuhd al d'Ibn al-Mubarak rah rahimahullah page 492 Omar ibn al-Khattab anhu a dit "La tat'arrab lima la ya'nik" alors je vous le traduis petit à petit parce que c'est plein de magnifiques fawaid ne te préoccupe pas de ce qui ne te regarde pas. En gros, mêle-toi de tes affaires. Ne te préoccupe pas de ce qui ne te regarde pas. Avec bien sûr, souvenez-vous ce qu'on a dit au début de cours. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas faire le bon conseil. Rasoulullah lui-même a dit islam il mar'i ce qui fait partie de la bonne religion, du bon islam de la personne, qu'il ne s'occupe que de, qu'il ne s'occupe pas de ce qu'il ne regarde pas. Mais en même temps, c'est Allah qui nous a dit al amru bil ma'roof wa nahi' munkar. C'est Allah qui nous a dit de nous, d'ordonner le bien et de réprouver le mal. Donc il faut savoir joindre les textes et les concilier les uns à la lumière des autres. On ne fait pas comme justement les Ah, ce texte-là j'ai du mal à le concilier, hop je le jette à la poubelle. C'est pas comme ça que ça marche l'islam. C'est pas un supermarché où je fais mon tri entre les patates pourries et les patates saines. C'est pas du tout comme ça que ça marche. T'as un problème de compréhension bah Demande à un imam. Demande à un savant. Lui, il l'aura compris, inshallah, il t'expliquera. Mais que de toi-même, oh, ben bah ça, comme l'ont fait des frères. Moi, j'avais fait un tweet. J'ai cité la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, cette parole qui fait trembler les fémènes de la umma. Parce que oui, dans notre communauté, on a des fémènes j'aurais je l'ai découvert sur Twitter. J'étais même pas au courant qu'il y avait des femmes dans notre dans notre umma. les pro euh, pro féministes, pro LGBT qui se sont qui sont allés jusqu'à s'associer avec des koufar et des LGBT pour faire tomber leurs frères de la sunna. J'avais jamais vu ça de ma vie. Je, je, encore aujourd'hui, j'en suis euh, outré. Tellement j'aurais jamais cru que ça pouvait aller loin dans l'égarement. Des sœurs qui Soi-disant, porte le djilbab. Des sœurs qui relayent des propos de savants. Et tu les vois comme ça, tu lis leurs tweets, tu vois leurs retweets, tu te dis, ah, machallah, c'est des sœurs salafiettes. Alors qu'en fait, elles ont de salafiettes que leurs prétentions. Parce qu'elles sont noyées et gangrénées dans le poison qui est le féminisme. Et elles ont adapté ce féminisme à leur sauce islamique, et elles pensent que c'est ça l'islam. Elles pensent que l'islam, dans l'islam, il y a une certaine une certaine part de féminisme. Et on leur cite le verset, ou plutôt le hadith, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam dit, il ne convient à aucun être humain de se prosterner devant un être humain. Et s'il convenait à un humain de se prosterner devant un autre humain, j'aurais certes ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. C'est un hadith que je pense la plupart des musulmans lambda connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Tellement il est connu Tellement il est connu, il est célèbre, tout le monde le connaît. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des musulmans et des musulmanes qui se sont permis de retweeter, de reciter, re je ne sais pas comment on dit, ce hadith que j'avais écrit dans un long tweet, dans un long thread, en commentant, ce hadith, il n'existe même pas. Ce hadith, il est inventé. La hawla wa la illa billah. Des gens qui n'ont jamais étudié au pied des savants, qui ne savent même pas ce que c'est qu'un hadith monkater, d'un hadith mu'addal, d'un hadith sahih, d'un hadith sah, euh, Hassan, etc. Ils ont jamais ouvert un livre de Mustalah al Hadith. Ils viennent t'expliquer du haut de leur plus grand orgueil et ignorance. Euh, Celui-là, ah et en plus, il met entre parenthèses sahih mais il n'y a pas de source. Ça, c'est la technique de ceux qui rapportent des hadiths inventés. Il écrit entre parenthèses sahih et il croit qu'il va nous faire gober ça. Et par son effronterie, il vient de traiter menteur Rasulallah. Il vient de dire que le messager d'Allah n'a jamais dit cela, n'a jamais prétendu cela. Tout ça parce qu'il est gangréné lui-même par sa dayoufri. La dayoufri, c'est les hommes qui n'ont aucune jalousie pour les femmes. On est en train de rappeler le, la, la place réelle de la femme en islam. Il est là pour faire sortir les femmes de leur foyer, de les exhiber au grand jour devant tout le monde, de les dévoiler, etc. Et il défend sa dayoufri en prenant le parti des femelles, en allant te signaler au kuffar. Il va même jusqu'à te signaler à la police. Ça allait très très loin cette histoire. Tout ça pourquoi Parce qu'il a rejeté un hadith authentique du messager d'Allah. Sur quelle base est-ce qu'il a dit oui parce que j'ai lu Sheikh al albani il a dit qu'il était Daïf, J'ai lu Sheikh Ibn Hajar Al Asqalani, il était daif. » Non, il a dit, il n'y a pas de, le frère n'a pas rapporté de source. Il n'a pas compris que sur Twitter on était limité à à 170 caractères. On n'a pas tous la place pour écrire toutes les sources que l'on aimerait. Quand bien même ce hadith se passe de source tellement il est connu, et hop, tu rejettes la sunnah. tu rejettes Kitabullah, tu sors de l'islam sans même t'en rendre compte sans même t'en rendre compte. Comme on l'avait dit dans un cours, par, il se, le messager d'Allah a dit, il se peut que par un mot, je ne sais plus si c'est un salaf ou si c'est Rasulullah qui avait dit, que il se peut que par un mot, tu sortes de l'islam, tu subisses la colère et le courroux et la malédiction d'Allah, et tu n'y prêtes même pas attention à ce mot-là. Tu n'y prêtes même pas attention. À ça. Pour toi, c'est un jeu de dire hadith baif, hadith inventé, hadith ceci, ce hadith n'existe pas, il n'a aucune base. Dis juste un adjahil. Dis juste, je suis un grand ignorant, je ne connais pas ce hadith. Ne t'improvise pas, mon hadith. Donc, l'imam Omar ibn al-Khattab, le calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, a dit ne te préoccupe pas de ce qui ne te regarde pas adou waka, éloigne-toi de ton ennemi min khalilika illa al-amin et ne prends, ne tente, ne, ne, ne t'accroche euh, et ne prend surtout pour ami intime que al-amin le digne de confiance d'ailleurs ainsi était surnommé Rasulallah, sallallahu Alaihi alayhi wa sallam al-amin le digne de confiance donc umar ibn al-khattab a dit c'est-à-dire celui-là Lorsque tu le trouves, cette personne digne de confiance, accroche-toi-y. Et sauvegarde-le et préserve-le. Ne le laisse pas partir et fais de lui ton ami intime. Et ne prends personne d'autre qu'un amine, qu'un digne de confiance pour ami intime. Sinon, il te trahira. Et tu seras malheureux un jour ou l'autre de t'entourer des mauvaises personnes, des gens qui n'ont aucune amana. D'ailleurs, Rasulallah, Sallallahu alayhi wa sallam dit Celui qui n'a pas de amanah, qui n'a pas d'intégrité, qui n'est pas digne de confiance Il n'a pas de foi C'est contradictoire Avoir la foi et être quelqu'un qui trahit les gens à qui on ne peut pas confier des dépôts, etc, etc, etc Car on l'a dit dans une khutbah, on l'a détaillé Al-Amanah, c'est vaste C'est pas juste être digne de confiance C'est bien plus large que ça, Al-Amanah Omar poursuit en disant le digne de confiance. Personne ne lui arrive à la cheville. Personne n'est semblable à lui parmi les gens. Il n'y a pas de plus précieux que lui. Voilà, Amina Et ne peut être Amine digne de confiance que celui qui craint Allah. Comme on l'a vu celui qui ne craint même pas Allah. Il ne craint même pas son Créateur. Comment veux-tu le prendre pour quelqu'un de, de bon conseiller, pour un ami sincère qui va te vouloir du bien à toi Aslan, il ne se veut même pas du bien à lui-même, parce que s'il se voulait du bien à lui-même, il craindrait son Seigneur. Il ne désobéirait pas ouvertement devant les gens, devant tout le monde à son Seigneur. Et ne fréquente pas le pervers, car il t'entraînerait avec lui dans la perversion. Et ne lui confie jamais ton secret Ou tes secrets Ne confie jamais au pervers Celui qui n'a aucune amana ton secret Car un jour ou l'autre il dévoilera ton secret Un jour oui, ou l'autre il te trahira Et Omar ibn Khattab conclut en disant Et ne consulte dans tes affaires que ceux qui craignent Allah. Donc ce n'est pas n'importe qui qu'on va voir pour demander des conseils. Est-ce que tu me conseilles d'épouser cette sœur Est-ce que tu me conseilles de m'associer avec un tel dans ma tijara, dans mon commerce Est-ce que tu me conseilles d'acheter dans telle ville et telle ville, etc. Est-ce que tu me conseilles d'écouter tel prédicateur Et de m'inscrire dans tel institut Parce que c'est des prédicateurs qui sont connus. Ils ont un million de followers sur YouTube.